les deux, donc cette année vous proposez, vous faites quoi exactement? Le stage GAT1. GAT1, d'accord. Donc ressenti là, début de stage? Ressenti positif, il y a de l'énergie, on sent qu'ils ont envie. Ouais. Ils sont impatients de démarrer, donc je pense que ça va être une belle semaine. D'accord, allez, à suivre. Premier travail, on va jouer tranquille. On va jouer, les mains levées ici là, et le pied, cassé. Bon, celui-là, mettez-vous sur le côté, ne restez jamais en face avec le pied. Mettez-vous sur le côté. Allez, c'est parti, mettez-vous de part, vous travaillez sur ça. Déplace-toi. Arrache-toi doucement. Le là, il part là. Tu vas venir chercher la butée. Et là. 1, 2, 3, 4. Je prends le bâton et un. Vas-y, tu dégages. Ici, il va sur le côté. Peu importe ce qu'il m'envoie. Ce qu'il m'envoie dessus, je réagis. Décalage ou débordement. Ça va être toujours je fixe. Là. Là. Issu du 19e siècle, de l'art de la guerre français, et qui est sorti des écoles militaires. Je m'en s'en servais comme arme de substitution à l'escrime. Hein. On s'entraînait avec, ça remplaçait le sabre, on se faisait pas mal, ça coûtait moins cher. Et on l'a sorti comme des maîtres comme Charlemont et autres qui en ont fait une discipline à part entière, comme la boxe française, pareil. Donc, et rendu cette discipline civile. Donc, des gestes de l'escrime qu'on avait comme ça, sans armée, on a été chercher un apport de puissance sur des armes. C'est la première année que je viens au stage, je m'appelle Fiona Mula. Ouais. Et je fais de la boxe à Saint-Christophe, à la Savate. D'accord, donc tu es la locale de l'étape, si je puis dire. Voilà. Et tu fais quoi exactement comme stage? Alors, je fais le mixed, donc c'est un peu de tout. Oui. Et. C'est-à-dire, c'est la savate et puis d'autres activités de loisirs, voilà, ou physiques. La défense, la savate, l'acrobranche. Oui. Voilà, de la randonnée aussi. Il y a des descentes en rivière aussi, descentes, je crois. Des descentes en rivière, tout à d'accord, fait. D'accord. Un parcours dans la forêt de défense. De la canne aussi. Ouais. Voilà. Et là, au niveau physique, ça va? Ça se passe bien? Ça va, c'est quand même bien intense, bien fatigué, mal de partout, mais ça fait du bien, vraiment. Ok. Écoute, sur les deux missions entre guillemets que j'ai, bon, bah, ça se passe très bien. De la défense sur agression par arme, bon, les stagiaires ils sont top. D'abord ils écoutent bien, puis en plus bon, ils arrivent n'étant pas nouveaux. Hein, oui. Enfin, ils ont un vécu un petit peu de défense. Donc, ouais. Ça roule tout seul. D'accord. Ça roule tout seul.
puis après la deuxième partie, la deuxième casquette, c'est l'UC2. Oui. Là, c'est du théorie. Bon, c'est pas forcément plus... c'est pas forcément souriant, mais bon, on passe son temps à écrire, ils sont contents. Moi, je fais partie du stage de Savatform avec France Le 16. Oui. C'est une bonne équipe dynamique. La moitié était des nouveaux, il y a 4 UC2. Et on est pendu comme les poirières. Les jambes tendues. Les jambes sont tendues. Prêt, prêt. Ça arrive, ça arrive. Ici, ici. Allez. Un autre. Voilà. Recule, recule, recule. Hop. Qu'on est araignée. Ouais, j'en chie un peu. Écoutez bien, attends. Mais un petit peu. Écoutez bien. Ça, c'est une araignée. Je veux la même. Quand t'es un c'est bon, on continue. Allez, ça finit là-haut.